Bonjour et bienvenue dans cette partie 18. C'est pourquoi j'ai pris cette porte. C'était pas le but original. Et bienvenue pour cette partie 18 de Super Paper Mario. Je suis Silver. En même temps, sinon vous ne serez pas sur ma chaîne. Et re-bienvenue. Ça fait vachement longtemps. Enfin, moi, ça fait approximativement 10 minutes, mais... Je sais pas. Me connaissant, je serais pas capable d'uploader les deux épisodes à... avec 2 mois d'écart. J'en ai aucune idée. Je verrai bien. De toute façon, généralement, quand je monte la vidéo, le truc est posté le lendemain. Donc, quand je monterai la vidéo, je verrai si j'ai pris 15 mois à la monter. On verra bien. Allez, alors la dernière fois, on s'en était arrêté. On était arrivé enfin dans l'au-delà. Et on avait trouvé la princesse Peach qui s'était assoupie à cause d'un fruit à la con. Et donc là, on est en train de chercher un autre fruit pour la réveiller. Donc on a déjà tenté le fruit bleu, le fruit rouge et le fruit orange. Et donc, il va falloir en trouver d'autres parce qu'aucun n'a fonctionné de la façon dont c'était vraiment prévu. Oula, il y a déjà une porte là? Quelque chose me dit que le fruit de ce truc ne va pas être le bon. Ah mais carrément. Ah si, je crois que c'est... Ouais, voilà. Rose! C'est pas rose non plus. C'est bien, c'est que... Ils font genre, ouais, on a trouvé un truc super intéressant, et en fait, que dalle. C'est juste... juste trois... Enfin, c'est d'autres conneries supplémentaires. Bon, il va falloir du Ouija. Oh, attends, il y a encore une porte ici. Bien, je prends ça. Ah, ah, c'est comme ça que ça marche. Oula, très bien. Évidemment, il faut qu'ils mettent quelques pièges, qu'ils mettent pas que des portes, qu'ils mettent dans des endroits particuliers. Non, y a pas une... un truc, je sais pas, il y a un truc caché. Bon, ça ne sert définitivement à rien. Parce que c'est plus un trap couillon quelque chose, mais... Il faut évidemment bien sûr avoir. Alors... Non, ça passe pas. Non, 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 non. Fruit noir. Même chose que les oranges. Ils sont cachés. Je crois que les noirs c'était les bonnes, je sais plus, j'ai un doute. Ah, dans le doute, on lui donnera les roses. Plus c'est sa couleur, on va dire. Très bien, je suis pas sur le bon plan. Oui, c'est la porte qui va aller. Là, il va falloir voler. Allez, vous avez quelque chose ? Vers l'au-delà. Et devinez de qui on a besoin. voilà, 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 vous avez compris l'idée. De toute façon, je crois que j'ai fait tous les fruits, là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas un vert ? J'ai un doute, là. Non, c'est pas... Je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller là. Non, non. Peut-être louper, c'est possible. Ah, on en redescend tout en bas, enfin pas tout en bas, mais... Essayer de rattraper... non, louper.
Merde, non. Ah non, 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 non. Bien sûr. Le talent. Le talent, les amis. Le talent. J'étais sûr, en fait, peut-être un peu trop, mais bon. Allez, on va d'abord lui donner une rose. En espérant que ça marche. pas le bon fruit. Pomme noire. Et si on se fait, t'as vu que ce soit le fruit de ta boue. On dirait qu'elle se réveille. Perk. Allez bien. Alors, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'on m'a fait manger? Ça a marché, yahoo, Princesse Peach, vous êtes réveillée. Luigi, tu es sain et sauf? Ah, oublie pas ton petit mari, Peach. Mais où sommes-nous? Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me souviens de rien. Nous sommes dans l'au-delà, princesse. Dimension, vous envoyez ici. Enfin, vous ouvrez... Enfin, vous nous ouvrez les yeux. Je suis Bibi, je suis heureux pour le glace et gentil de compagnie. Enchantée, Phoebe. Je suis attendu, alors passez par, entendez-vous, pensez dépêchez-moi aussi. Eh ben, je dis quelque chose de mal. Ah, ne faites pas attention. Vous allez vous faire beaucoup de soucis pour moi. Je suis désolée, mais ça fait vraiment plaisir de te voir. Je vais faire mon vieux, excusez de vous avoir perdu votre temps. La princesse Peach a rejoint le truc. Allez, allons-y, on retourne les verres. C'était peut-être très très long. La porte en elle-même est pas très très longue, c'est juste que bon, c'est la montée qui est longue. Et ben non, oh non, mais putain, il faut que tu se barre. Hop, voilà. J'espère que j'aurais pas besoin de Bubi. Hop là, ça passe par un... Attends, t'as une préparation ou j'ai... Non, c'est juste ce pitch qui a plané. Non, c'est pas par là. Mais non, je suis plus. Voilà, voilà. Bon, donc, ah non, c'est Ouija. Ils vont faire leur Ouija. C'est ça sur la gauche, je me souviens. Exactement. Voilà, voilà. Et maintenant, on monte. Y'a rien d'autre, c'est qu'il faut juste... D'accord, faut juste monter. Monter! Un peu trop haut, mais... Monter! Là... Peut-être savoir... C'est peut-être très mauvais. Ouais, attends, merde. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Mais dégage! Voilà! Fin de l'escalier 5. Oh non, je veux un bon chain, moi. Je fais masse de points. Alors oui, c'est bon, je crois qu'on peut faire l'escalier 5. Y'a un truc à des 6 encore ou c'est la fin? Je sais plus. Escalier 6, d'accord, super. Escalier 61. Ça demande, ça demande. C'est bon, j'ai compté. 2G.
Ah, oula. Alors, toi, tu dégages. Fais gaffe, parce qu'il y en a un, je crois, qui fait baisser d'un niveau. Ou un truc comme ça, enfin... Il... Faut faire gaffe. Je prends la pitch. Et on attend. Voilà, évidemment. Les arcs de triomphe qui tiennent tout seul dans le ciel, c'est. C'est folklorique, c'est local, c'est. Très logique. Des sous. Kawaii. Pardon. Ça va pour moi. Alors, toi, je sais pas. On va laisser. C'est ce que j'allais pas faire. Et on va me traîner le fion maintenant. Soda fongique, très bien. Ah, évidemment, truc qui monte plus haut. On va d'avoir avec le G. Ah, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas bon. Ah, plus. C'est plus fort qui met une demi-heure. Voilà. Wouah! Non mais qu'est-ce que tu fais Luigi? Il a pris un trou. T'avais juste un boulot, trouver le trou. Et comme ça c'est un peu dégueulasse mais... Attends, j'ai... Attends, il manque quelque chose là. Une plateforme peut-être? Ah oui, ouais. Comment c'est chiant les nouveaux verticaux en fait. Y'a pas à chier. Par contre, vu que c'est chiant. Je vais mourir. Arrête de me faire glisser par des blagues comme ça. C'est mal ça. Monte. Et on attend que ça monte. C'est d'une passion, c'est. Luigi qui patine un peu en plus. Je sais pas. Non, c'est drôle, c'est. Fin escalier 6. Ce escalier qui servait pas à grand chose. T'es pas dessus. Faut arrêter là. Alors le mec il a des têtes de rechange, c'est un concept. Hop, hop. Quelque chose de mieux? Non, même pas. Voilà, qu'est-ce que c'est ce truc? LOL. Attaque plus 1. Ah, c'est bien ça. Je vais taper plus fort. Ok, d'accord, très bien. Logique. C'est plateforme, je vais comprendre. Pas le délire de faire un seul. Ouh, c'est un pot. Et donc, je prends la patinette. Pour passer là. Non mais. Je vais arrêter d'être débile, je pense. Voilà. Tu peux aller un peu plus vite, la plateforme. Tu te plus. C'est très vraiment cool. Coffre. La chante de vie.
Oh, ça c'est important, ça je peux pas... Je peux pas laisser tomber, je vais laisser tomber... Ah, ça. Non mais... Je vais dire la foudre. Ah, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Il faut vraiment buzzer parce que le prochain peut pas. Le truc, le squelette qui donne un truc à base de champignons. Honnêtement, Oh non. Salut, je suis Nimbus, le petit nuage, content de faire ta connaissance. Je rêve de devenir un super grand, le plus grand du ciel. Car on me parlait d'un type qui pouvait grandir rien qu'en mangeant les champignons. C'est ça que je veux. Ça serait ton compte si quelqu'un me donne un truc comme ça. Ah oui, donc ça peut toujours être aussi, je crois. Ouais. Alors celui qui fait grandir, c'est... Un doute. Ok, qui faisait grandir. Le bleu rapetissait, le rouge grandissait. Je veux juste que j'entrouve le rouge. Il me semble que c'était celui de la part. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est rouge. Oui, le orange fait pousser la moustache. C'est pas con. Est-ce que j'aurai la place par contre? Non, je vais pas avoir la place. Ah, c'est chiant cette place limitée là. Allez, on va lire ça. Non, mais... J'aime bien, c'est que ça me fait toujours dessus. C'est... Bon, je vais maintenant on va retourner. Attends. Si je prends un bon élan. Ça passe pas. Ah si, ça passe. Justesse. Alors, le petit nuage va devenir grand peut-être. Voilà. Je vais devenir grand si je mange ça. Trop cool. J'essaye. Fuck mim. Wow. Ça y est, je suis un nuage géant. Désormais, je veux qu'on m'appelle Meganimbus. Fini le petit nuage timide et que m'a dit Mega Nuage dit Mega Saut, sautez, vous verrez. Attention, effet de fou. Wouhou. Ça fait rien dire, putain. Fin de l'escalier 7. Et ben nous voilà enfin arrivés. Dans le... Enfin là c'était le prémisse de l'au-delà, mais là maintenant... Y'a rien là. Y'a rien au-dessus. Ah si. Oh. Un lingot. Bien ça. J'ai gagné une pièce. D'accord, très bien. Fin de l'escalier de l'au-delà, l'au-delà est au-delà. Des barres de rire. Qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se poile à frire? C'était très bon. Allez, zou. Next. Fin du chapitre. On a passé 20 minutes, hein. Je sais pas si en 20 minutes j'arriverai à faire la deuxième partie. Peut-être que je m'arrêterai juste avant le boss. De blanc nuage à perte de vue. Après une longue ascension, ma reste avant d'avoir enfin atteint leur but. Comme c'est étrange, je vois qu'on... Point de comité d'accueil, c'est un chili. Peu importe, le temple de mon père est un peu plus loin, avançant en toute quiétude. Le chemin allait sévère et beaucoup moins calme que celui de me penser. Pourquoi? Car quelque chose d'aussi terrible qu'inattendu était sur le point d'arriver. À vous glacer le sang. Nous allons bientôt rencontrer mon père, Papy Bibi, tâchez de bien retenir. Alors, Papy Bibi, votre père? Assurément, on est, ses papilles sont mes parents. Mais moi, je tombais malade un jour et mon père resta à me chever toute la nuit. Il leur côté quelques précieux protecteurs m'agacent parfois,
Mais je ne peux plus leur vouloir, je suis si mignonne. Ils ne peuvent résister. Assurément. Bon, au revoir, Super Baby. L'au-delà. Au-delà, secteur. Bon, pour l'instant, rien de nouveau, mais ça devrait être plus une provision de ce genre d'environnement. Putain, mais fais exprès, ouais. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Scientifiquement parlant, il y a. Il y a des. Quoi ? Le respect, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cet irrespect ? Oh, mais sortez de là, bordel ! Mais qu'est-ce que vous fichez là ? Vous n'êtes même pas des ennemis locaux. Voilà, ça se fait au moins. Je sais pas si j'étais censé venir à tout de suite, mais. C'est quand même que je suis à niveau 49 000. Enfin non, 490 000. Oh, c'est court. Ah bah alors, t'as déjà ton compte. Allez, batte-toi, ma vieille. Luigi, t'as un problème? Oh, t'es avec une amie, hein. Alors, pas s'entendre. Mange ma lance. Mange ma lance. C'est pas bon, une lance. Bon, on va se casser la tête. Lance-flamme! Je remercie infiniment. Je sais que vous êtes, mais vous m'avez sauvé. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez sauvé. Par pitié, dites-moi vite ce qui se passe sur cette séance. Une telle tragédie. Les petites deux engins sont envahis l'au-delà. Ils veulent le cœur pur. Ils doivent exécuter quelques plans magnifiques. Ces vieux créatures cherchent le cœur pur, les misérables! Même si le rasseur veut que le cœur pur et pas père est en danger! Il n'y a qu'une chose à l'esprit qui pourra me cacher, mais prenez d'abord cette clé! Et elle ouvre une porte dans l'au-delà. Je ne peux pas, vous pouvez en plus, mais par pitié, protégez votre vie. Bonne chance! Bon, y'a rien d'autre ici? Si, j'ai bien l'air d'avoir un. C'est pas nous, ton routier, qui aura un foutre là, putain! Attends, ça je peux peut-être accueillir. Non. Je sais pas si je suis censé passer par là, en fait. Je sais pas si c'est le chemin prévu, surtout, en fait. Voilà, voilà. Oh, bah ça fait des points, hein. Là, ça me fera des formes de points, c'est un truc. Des petits Luigi. Oui, évidemment, ils vont pas suivre. What? Ah d'accord, très bien. Bonjour. Et moi, vas-y, qu'est-ce que c'est là? Ah non, mais à chaque fois, je dors bientôt. Non, mais c'est bon, j'ai vu qu'il y avait des blocs. Un peu chiant parce qu'on voit pas l'écran dès le départ et on est vite anticipé. Ah, vous glacez le sang, en effet. C'est tout glacé. Oh, mais merci! Vous m'avez sauvé la vie! Ah, je comprends, ouais, une bonne période. Mais que fais-je ici? Qui suis-je? Où suis-je? Suis-je en musique? Homme, que faire? Ah, oui, il va falloir revenir ici, c'est vrai. Statistiquement,
Il y a combien de chances que je tombe directement dans le trou? Misère. Bon, allez, remonte. Oui, oui. C'est pas très très pratique après ça. Clé de porte. La porte. La porte. Encore une porte. Au-delà, secteur 3. C'est pas un truc. Ah, on prend ça, garde, on se trouve en fait. Oui, mais la puce de télécommande, on s'en branle. Alors. Ça veut dire quelque chose en 3D. C'est pas très très logique, mais bon, maintenant. C'est pas de haut, putain, qu'est-ce que tu fais là? Mon bien-aimé a été gelé par ces infâmes brutes. Je l'aime tant. Je suis Otobi, un chaton sans défense face à ces monstres. Que faire? Et vous, êtes-vous des chatons ou des lions terribles et fers? Et quel lion? Ça croit mon bien-aimé. Pourquoi j'ai fait un accent de... Oui, c'est bon. Oui. Mon bien-aimé! D'où Otobi? Sniff le ciel sous l'oeil. Ce valeureux héros t'en sauver. Je vous remercie infiniment. Voyez-vous, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Et bien sûr, Richédé, tu blesses tu sais quoi? Oui, là tu sais quoi? Tu sais ta vie, tu es aussi belle que vive d'esprit. Ah mon bien-aimé, c'est donc tu vas me faire rougir? Ça va pas du tout comme moi, mais je... Allez, on regarde quand même. Viens, partons. Pas si vite, mais de cet habit. Le tu sais quoi. Le tu sais quoi. Oh, c'est tout ce qu'il y a ici. Nul. Ah oui, c'est effectivement ça, c'est un ascenseur. Vous avez devant vous le magnifique Escalador. Cela sera transporté les Nambis. Je vous demande beaucoup, je vais donc m'en cette merveille pour vous. C'était vous mentez. Certes, oui, que nenni. Assertion. Elle sonne pas mal. Michael Bay. Non, mais que Ben, c'est pas des arcs-en-ciel, ça explose et c'est vraiment tout à l'heure. Et voilà, nous y sommes! Merci à vous d'avoir utilisé l'escalador! Wesh, wesh! Vraiment, ce qu'on m'a dit, comment tu as osé manger les parents de leur fille? Tu entres, comment est-il arrivé? Pour une raison que j'ignore, j'ai très froid. Au-delà, secteur 3. Alors, au-delà, secteur 4, je suppose. Non, c'est pas vrai. Le dialogue. Vous m'avez porté secours. Je vous en remercie. Bien pigre, merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Merci, et je l'ai... Et tu espères être plaisante, qu'en fait je vais réchauffer. Alors là on est encore. Hein. Je vous donne la vie, je crois qu'il m'en est revenu. Je suis froid dans tout son corps, que m'est-il arrivé? Trop de PNJ. Grâce à vous, je n'ai point de figure mauvaise. Mais s'il vous plaît, aidez les autres. Fichtre, je me suis trompé. Mais cela ne me rend-il pas. Irrésistible. Oh non, s'il te plaît, non. Quelle horreur, par payer ses enfants, là-bas, c'est monstre.
Salut! Ma foi! Merci pour le secours que vous m'avez porté! Je me nomme Black Pie. J'ai une petite affaire pour parler à héros. Larry, quel est-il mon père? L'avez-vous vu? Je suis désolé, Phoebe. Je n'ai pas pu empêcher une nominée de l'enfant son envahir le palais. Les scélérats ont détruit le pont après leur passage. On peut lui venir en aide. Gnac, 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 arrêtez de chouiner, il suffit de leur construire ce pont. C'est envisageable. Pour tout faire, il vous faudra trouver Ruby, Blappy et Joby. Joby! Et prendre leur troisième. Une fois que vous aurez, vous devrez les amener ici afin de reconstruire le pont. Prenez ceci et partez à la recherche des autres. Je vous en prie, aidez-nous. Une porte de la presse. On va prendre le vigie parce qu'il y a un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là-haut. Ah ouais. C'est un magasin. C'est vachement l'endroit pour foutre un magasin. Salut, salut! Bonjour et bienvenue chez Minimouf, la Minimouf à la boutique alimentaire. Content de vous revoir. Alors qu'est-ce que ça sera aujourd'hui? Mais merci, vous avez présenté le 4 en boutique. Ah d'accord. Qu'est-ce que je peux acheter? Hot dog, piment la pâte. Ouais, c'est cher quand même, hot dog. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça m'étonne. Il va falloir que je trouve un bouton. Bon, déjà, je vais retourner à. Oh, il faut tout se retaper. Donc là, c'est la torche, c'est super. Mais je le fais exprès, c'est pas possible. Bon, on va d'abord aller revoir le machin, parce qu'il s'avère que l'Amnésique, c'était l'un des trois. Mais bon, en termes de scénario, il faut y aller doucement, faut pas balancer tout un truc trop vite. Si je dois me retaper le trajet. D'une joie, tu mets d'une joie incommensurable. Évidemment, je vais pour taper. D'accord, je vais taper dessus, bon, très bien. Voilà, on monte. On monte. Non. Ah, faut que tu bloques. Hop là. Ce double deal. Où suis-je? Qu'est-ce que suis-je? Attendez, la mémoire me revient. Je suis Blubby. Blubby! Blubby! Enfin, vous prenez vos esprits, pauvre Idiobi. Devant de rendre temps, prenez ta pipi et tenez-lui votre âme. Comment? Oh, je comprends. Depuis le support de l'en dessous, on t'a attaqué mon royaume. Ma pipi est en danger, si c'est ce que vous dites. Alors, tenez, prenez ceci. L'orbe bleu de Blubby répare le pont qui mène au temple. Je ne peux m'éterniser ici, il me faut aller voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelque chose là-haut, mais il y a sûrement. Ouais. Alors, donc là. Allez, allez le trou! Allez le trou! C'est bon. Ah, je peux pas dire rien. Mais... Alors. Bon, oui, donc, non, je veux bien, reste là, reste là. Non, c'est bon. Il y a un autre deux qui l'a mis. Alors, bon, là maintenant on a la clé, on va pouvoir passer la porte. Alors. Ça va être la, le même que l'escalator mais en latéral. Qu'est-ce que c'était fun? On recommence quand même. C'est vraiment...
J'ai pas de place, de toute façon. Ah, il y a une porte derrière. Au-delà, secteur 8. Grosse pièce. Grosse pièce. Non. Mais je fais exprès, c'est pas possible. Il y a un moment, faut arrêter. Le jeu est méchant. Je fais n'importe quoi. Pas de réponse. On dirait la tristesse en moi. Non, c'est pas le feu, ça le stimule pas. Tourner peut-être? Non, non, je sais pas. Je tente des trucs, j'adore encore déjà ma. Peut-être parce que je tue plus d'ennemis, je sais pas. Non, là je ne comprends pas. Là pour le coup, là, je ne vois pas du tout. Ah, il y a des blocs là-haut. Bah, c'était vraiment. Ouais. Ah, d'accord. Bon, oui, bah, si tu veux. Hein. Bon, on va aller à l'arrière. Au-delà, c'est un 7. On va voir pour nous. Prends ceci! Ils sont bien trop nombreux! Je ne pourrais pas longtemps tenir face à leur ration répétée. Bonjour! Des renforts pour moi! Enfin, mes forces étaient sur le point de me quitter. Pitié, occupez-vous d'eux. Le courage. Les villes créatures ont été anéanties. Je suis Ruby. Vous m'avez sauvé. Oh, noble héros. Je vous suis redevable. Ruby, allez vite, en manger, tu veux nous remettre l'air rouge instantanément. Instamment. Fibu, les trois avances que se donne son point n'est pas bien là que l'on donne à la légère. Mais l'heure est grave, mais c'est pas fort grave, je le crains. Et j'ai une dette envers vous, tenez, je vous consens à vous donner de l'or. L'orbe rouge de Ruby, répare le pont Nantes. Je pas m'acquérir de l'état de mes troupes, puisse le destin avec nous réunir à nouveau. Tout le monde a été également. Ok, la proposition où je vis. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai dit. Y'a un autre ici? D'accord, très bien. Ah, oula. Bon, bah mince, on va déjà faire 40 minutes. Oh là là. Faut vraiment que je commence à filmer des trucs d'une heure, parce que 40 minutes, c'est. Alors, plus en plus pas suffisant quoi. En tout cas, plein de trucs qui sont skippables, mon ami. Bref. Ouais. Dès qu'on trouve un point de sauvegarde, on va s'en arrêter là, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé. Ah, mais d'accord, ça va aller, ceci.
D'accord, ben je... c'est un souvenir. Une porte, tu vois, c'est... Ouais, d'accord, d'accord, très bien. Ouais, bon, peut-être qu'on va faire cette porte-là. Non. Ah, d'accord, très bien. Ça fallait le savoir. C'est pas le truc qu'on devine. Non, mais c'est que j'appuie sur bas. Alors, par là-haut. Des coffres. Du coup, c'est vraiment une zone cachée. Oslarg. Oslé. Sérieusement. Je crois que je dois être maudit ou quelque chose, je sais pas, mais il y a un souci là, quoi. Plus de pièces. Je sais pas si vous l'avez déjà trouvé cet endroit en fait dans la première partie, ça me dit absolument rien là, tu me sens apprécié là. Là pour le coup. Bon allez, laissons tomber, on fera ça la prochaine fois. On va s'en arrêter ici, je vous remercie d'avoir regardé. J'ai peur que le prochain épisode arrive dans un long moment. Déjà, je crois que j'arrive à le tourner, mais je pense pas que là, je vais avoir un bon mois, comme je l'ai dit précédemment, de vide. Enfin, de vide vidéo. Et après, j'aurai d'autres vidéos à monter derrière. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir avoir un petit moment. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous rappelle, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo précédente, que j'ai, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, entre guillemets, et tout ce que je fais à côté, sur le Twitter, @NicolinSilver. Et puis voilà, je crois que c'était à peu près tout, je vous remercie d'avoir regardé, à la prochaine, ciao, ciao!